Ah, Seigneur, finalement, Couillard, il avait promis qu'élire un gouvernement libéral créerait de la richesse. Il avait raison, mais il ne l'avait juste pas dit pour qui. C'est de la merde. Parce que je suis un travailleur de la santé. Je suis infirmier. Moi, je suis infirmière auxiliaire. En coupant dans nos relations de travail, bien, on coupe aussi automatiquement dans la dignité des bénéficiaires. Les ratios n'ont pas de bon sens en 2015. Pour la protection des enfants les plus vulnérables. Parce qu'on coupe dans le réseau de la santé, on affecte les soins donnés directement aux bénéficiaires et au reste de la population. Parce que nos aînés ont besoin de nous. Pour la protection des personnes les plus vulnérables. Parce qu'abolir des emplois, c'est abolir des moyens de protection pour la population. Pour l'avenir de mes enfants. Pour de meilleurs services à notre clientèle. Pour protéger les services à la population. Nos personnes âgées méritent mieux. Pour protéger les acquis de notre régime de retraite à tous. Parce qu'en santé publique, on croit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que j'ai pas les moyens de perdre mes services publics. Pour toutes ces raisons et plus encore, la Région de Montréal du CPAS vous invite à être avec nous dans la rue pour maintenir nos services publics. Et après, on vient nous dire que les politiques d'austérité en santé n'auront aucun impact sur les services à la clientèle. Moi, je réponds à ça. Mon œil!